Hop là, voilà, ça a l'air de s'être lancé. Alors. Tac. Tac. Ah, tiens, soir Naro, comment va? Fini l'histoire principale hier. Donc ce soir on passe au DLC. Le premier est vraiment cool, le deuxième j'en ai un de moins bon souvenir. Assister à la dernière année des habitants du métro de Novosibirsk du point de vue du colonel Klemnikov avant, alors que le colonel Melnik essaye d'assembler les fragments du passé à partir du récit de Kirill et de ses propres impressions. Anna, ma fille, cette année qu'on a passée sur la route m'a laissé le temps de réfléchir. Respect, responsabilité, devoir. Tout ça n'a aucune importance comparé à l'essentiel, ma famille, toi. Je suis désolé de ne pas l'avoir compris avant. Je passerai ce cimetière enneigé au peigne fin si ça peut me permettre de mettre la main sur le remède. Quant à Artyom, il se sent coupable, alors il est prêt à tout pour acheter. Je vais juste devoir faire en sorte qu'il n'y laisse pas sa peau. L'important, c'est que je sois de retour dans le métro. Aucun mutant ne peut m'arrêter ici. Mais les radiations sont bien différentes à la surface. Franchement, jamais je n'avais imaginé que je pourrais revenir. Vous approchez? Mais pourquoi vous avez besoin de l'Institut? Tu lâches rien. On est en mission. Mais c'est tout ce que je peux dire. Mais maintenant, grâce à ce truc vert que Kirill nous a donné, nous avons tous les deux une chance d'atteindre notre objectif et de survivre. Bon, soldat. Artyom est parti. Je ferai mieux de me préparer, moi aussi. Et moi alors, mon colonel? Toi, tu resteras ici. Je te nomme responsable des communications. J'ai besoin de quelqu'un pour coordonner l'opération. Tu peux assumer cette responsabilité? Oui, chef, je peux. Bien. À propos, soldat, comment viviez-vous avant les émeutes, lorsqu'il y avait assez de trucs verts pour tout le monde? C'était pas si mal. Mais mon père était toujours en mission, en patrouille. Donc tu le voyais à peine? Oh non, papa essayait de rentrer de bonne heure, surtout à l'occasion des fêtes. On a passé le dernier nouvel an ensemble. Bonsoir Sylphra, bonsoir Nessie, si, bonsoir les Reds, comment vous allez? Et soir Genji, comment va? Ça va, ça va. Brûler toutes les substances gluantes qui entourent les ponts. Oh, oh, cette substance peut faire ses prières. Le colonel Klepnikov en personne va jouer du lance-flamme. Ne me porte pas la poisse. Et ce lance-flamme, il est où? Ça va, ça va. Le voici, mon colonel. Attention, c'est assez lourd. Je sais. Il est pressurisé? Normalement, mais mieux vérifier. Actionnez la poignée sur le côté une ou deux fois si besoin. Ah, de nos jours, on ne peut compter que sur soi-même. Bon, j'y vais. Réduisez-moi tout ça en poussière. Entendu, mon colonel. Avec grand plaisir. Bonne chance. Et genre les... On est d'accord, les sous-titres, ils ont abandonné. Merde à vous. Merci. Les sous-titres ont abandonné. Après tout, à quoi ça sert les sous-titres? Ah non mais... ils veulent pas, hein. Et pourtant, Ginji, j'avais fait tout le jeu original en russe.
Donc j'avais eu les sous-titres jusqu'au bout, sinon j'aurais clairement changé la langue au milieu. Voilà. Ah oui, j'étais en mode... Je peux avoir une lampe? Oui, bah oui. Évidemment que je peux avoir une lampe. Bon bah on va nettoyer tout ça. C'est en détail ça. C'est une petite lampe. Ce truc est énorme. Ouais, c'est un verre. On a tous les groupes. Je viens de voir un verre de taille adulte. Faites attention. On, ici Rougin, bien reçu. Rouge 2 compris. Ah, il y a quand même des trucs à récupérer. Et je te le fais pas dire, Sylphra, qu'elle irait de lire. C'est dangereux, la lecture. Ça rend accro. Faut pas. Ne lisez pas, c'est bon pour votre... Ce n'est pas bon pour votre santé. Swartaos, comment on va? Ça va, ça va. Ah. En parlant de lire, je dois bien l'admettre, on drague à la tête sur les épaules. Soir Snow. Quel goût le beignet ce soir. Et effectivement... Ça va et toi? Je dois bien l'admettre, on draille à la tête sur les épaules. C'était déjà assez difficile de parcourir ces tunnels. Mais avec cette substance gluante, c'est devenu quasiment impossible, même avec une carte. Ce truc a bouché certains passages et complètement changé le lieu. Les panneaux de signalisation sont un vrai don du ciel. Ils sont bien visibles et la substance ne peut pas les dissoudre. Pourquoi pas? Ça n'a pas l'air mauvais ça. Il nous a suffi de demander aux gars d'en ramener quelques-uns de l'ancienne voie ferrée et ils en ont rapporté un paquet. Maintenant, impossible de se perdre ici. Et ça va aussi faciliter le travail des gars de l'OSCOM. Enfin, ils se décident à venir faire un tour ici avec leur lance-flamme. Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Je vais essayer de lui obtenir un petit supplément, il l'a bien mérité. Soir, Brice. On en a tous besoin d'une ici, je crois. Même si certes certains plus que d'autres. Moi c'est directement l'asile, c'est ça? Ah. Ah, c'est bête. Coucher. Allez, coucher. Sale bête. Hein? Ah. Faut que je change de...
là, un peu d'essence. Ça pulse bien tout de même tout ça. Ah, c'est possible. C'est possible, Brice, en effet. C'est comme l'huile de friture. Si elle est pas bonne, tes lardons sont pas forcément agréables à manger. Pchit, pchit. Papapom. Voilà. Je vais voir, est-ce que... Ah! Eh bien. Je savais pas que vous étiez capable de vous allumer tout seul. Pour une fois que j'ai pas besoin d'aller chercher à l'autre bout du monde. Ok. Non, par contre, qu'est-ce qui est arrivé à vos... à votre égout Saya est passé par là? Saya est probablement passé par là. Rafi. Clic. Non. Plus de bonne crème fraîche, c'est un problème par contre. Autant les lardons, bon, ça se remplace. Autant la crème fraîche, ça te fait perdre pas mal de recettes. Yep. Merci bien, Sylphra. Repose-toi bien. C'est bien. Maintenant, l'important, c'est d'arriver à le tenir. Non, mais c'est bien. T'as décidé de suivre les l'idée des différents réveils. Eh, ça marche, hein, en avoir plusieurs. Et tu me fais bon, bah tant qu'il y est. Gindy. Yep. Repose-toi bien, Snow. Bonne nuit.
Je l'ai déjà dit, j'irai pas refaire toute votre électricité, ça ira. Où cette sale bête? Hein? Ouais, c'est juste un faux contact parmi dans les interrupteurs, rien de bien grave. C'est juste un mauvais câblage. Oui. Mais non, j'ai déjà vu ce genre de problème de... Alors j'ai plus le nom des interrupteurs en intermittence ou en déphasé, machin comme ça, mais... Ça se corrige. Bah, blep. Eh ben, j'avais plus de vie. Ah ça. Oh my. L'endroit a l'air charmant. Moi aussi, mais bon. Apparemment, on ne peut pas tout avoir. En même temps, voilà, l'endroit est vraiment charmant, hein, comme égout. Aïe. Avec une faune locale particulièrement pacifiste. Allez. Yeah.
C'est plus Moscou, c'est Novosibirsk. Je crois que c'est Novosibirsk. Si tu peux éviter de m'ouvrir le mash tab de Steam au pif, ça m'arrangerait. Ah non, mais j'ai surtout le mash tab qui s'est ouvert. Voilà. Voilà, ouais. Ouais, c'est bien ça. On est d'accord pour ça, Brice. Aïe, 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 allez, barrez-vous. Comment on les enlève, ces saloperies? On les enlève comme ça, en secouant. Ah bah, elle m'a eu. Ah, je me fais tout shot par ces mobs. Oui, j'ai oublié de me heal. Hop, ensuite. Hop, ensuite. Pchit, pchit, pchit. Voilà. Ensuite. Je l'ai calmé direct? Pas du tout. Mais c'est qu'il y a des sangsues en haut aussi. Bah oui. C'est pas drôle sinon. C'est bon, calmez la bestiole. C'est bon, calmez la bestiole.
Même si, effectivement, maintenant que j'y pense, le métro est lié au réseau d'égouts ? Genre les deux sont liés ici ? Ce serait pas complètement illogique, mais... Ouais, ouais, ça me va comme réponse à nouveau. Ah, non, ça marche. Alors, voyons voir. Ok, je suis à fond. J'ai ce qu'il me faut de carburant. Il faut que je nettoie cette arme parce qu'elle est extrêmement sale. Tu m'étonnes que je visais mal. Voilà. Je peux même me permettre de faire ça. Hop, 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 hop. Ok. Ah, tu as sauvegardé. Ah bien. Journal du contremaître 2. Cette pourriture continue à se répandre et la substance gluante se propage de façon exponentielle. Mais au lieu de planifier des nettoyages réguliers et de s'y tenir, nos braves protecteurs ont préféré attendre le dernier moment et l'apparition des vers pour venir jouer aux héros avec leur lance-flammes. Ce qui est marrant, c'est qu'ils envoient de moins en moins de gars. Le chef de la seconde équipe a dit que ce n'était pas un hasard et que c'était à cause d'un projet secret au niveau de l'ancien chemin de fer. Apparemment, nous sommes loin d'être prioritaires et ce truc est top secret. Franchement, si vous... voulez nous raconter des conneries, faites au moins un minimum d'efforts. Personne ne veut rien faire et c'est bien là le problème. Tout le monde veut se trouver une bonne planque pour poser son cul et faire des trucs importants comme inventaire. Qu'ils ne viennent pas s'étonner qu'il n'y ait que la... qu'il y ait la queue pour distribution de trucs verts. Mais aucun volontaire pour aller cramer les substances gluantes.
Ça soigne quand, enfin ça soigne quand même bien ces machins. Hein. C'est le meilleur moyen de se déchirer la combinaison, ça. Et genre, j'ai clairement pas envie d'avoir la moindre once de peau nue quand tu t'occupes de ce genre de choses. Alors, je sais qu'on en avait en France pendant la première, donc probablement pendant la seconde, mais ah ouais, russe. Bon, ils sont clairement meilleurs que ce bout de ferraille, hein, qui a tendance à galérer de tous les côtés. Et impossible de trouver la fuite. Il te reste du carburant? Je ne pensais pas que ce serait aussi épais par ici. Bien sûr, colonel. Servez-vous. Tenez. Merci. Sympa de ta part. On m'a dit qu'aider un officier supérieur pouvait me valoir une promotion. Et puis cette merde ne sait jamais. Ah, je crois que je l'ai trouvé. C'était bien ça. Alors, ça dépend de la distance des mecs avec des lance-flammes. Je vais retrouver les gars. Bonne chasse, chef. Toi aussi. S'ils sont suffisamment loin, fuir. Loin et vite. Honnêtement, essayez d'abattre le mec avant qu'il ait le temps de déclencher, qu'il ait le temps de tirer. Ça, ou lui foncer dessus avant qu'il réagisse. Parce que à ce niveau-là, tu sais que sinon t'es foutu. Ah bah oui, me mettre à couvert. Eh ouais. Mais logique, mais effectivement. Si le lance-flamme il ressemble à un fusil.
crois pas que le temps d'utilisation est tant un problème que ça avec ce genre d'arme. Yep. Complètement Genji, mais effectivement, hein, si le lance-flamme il a une gueule de fusil, bah. T'auras beau ton réflexe, c'est de faire comme si tu te battais face à un fusil. Et là, clairement. Et sinon, non, un lance-flamme, soit faut être suffisamment proche du gars pour que, bah, si t'allumes ta tronche, tu te jettes sur lui. Genre, même avec les tenues ignifugées, un gars en feu qui saute sur toi avec ton réservoir de carburant, c'est pas une bonne idée. Soit c'est d'être assez éloigné. Ou de l'abattre avant qu'il ait le temps de tirer. Ouais, l'endroit est plutôt sympa. Mais les Russes ont toujours été bons en termes d'armement et de stratégie, juste pas en attaque. Vraiment pas en attaque. faut pas les laisser attaquer les Russes. Ah! Qu'est-ce que tu veux toi? Hein? Allez! Franchement. Aucun respect ces bestioles. Pas de lettres ici. Parce que autant je m'attendais tu vois à pouvoir récupérer ça et trouver un meilleur lance-flamme ou un truc comme ça, mais non, et pas de lettres non plus. Ah non, mais les
Elles sont fun, les armes russes. C'est comme cette espèce de sniper, là, dans le jeu, qui est... qui... Genre, tu peux le modifier tellement de manière random. Je me pose aussi la question... la Valve. Si le Ticar qu'ils ont... c'est une arme russe ou pas, dans le jeu. Cette espèce d'arme à billes. Parce que le nom fait très russe. Yep. Blap. Que dans... Dans celui-là, Genji, tu n'as l'arbalète que sur le dernier tiers du jeu. Tu ne l'as pas avant. Par contre, à la place, t'as le Ticar. Oui, clairement. Puis bon, c'est quand même supposé être de la SF. Message d'un ouvrier. J'aime pas forcément avoir raison, mais on est vraiment dans la merde. Nettoyer les filtres ne suffira pas. La substance gluante a remplacé l'eau dans les canalisations. J'ai essayé de réchauffer le tuyau d'arrivée avec un chalumeau et la pompe a fini par redémarrer après un moment. Mais il y a déjà un paquet de cette saloperie sur les murs. La cuve de débordement est remplie. La seule chose qui pourrait marcher, c'est de tout cramer. T'aurais dû sonner l'alarme il y a une semaine, et maintenant j'aimerais bien te voir tout récupérer à la main, puisque t'as pas voulu déranger les chefs à l'époque. Je veux dire, c'est comme à la fin de Raigun, je suis en mode oui. Oui. Toujours une arme expérimentale, ça. Qui nous a prouvé qu'elle marchait? Genre, effectivement... Tirer des billes à très très grande vitesse sur l'adversaire, ça fonctionne.
Y a pas à dire, hein. Charmant au roi. Mais il y en a partout des sangsues qui me cracheuses. Littéralement. Pas de soucis. Je veux dire, on est d'accord qu'on gira sur un programme au pif, modé au snaps, via des decks préfets, que tu as passé beaucoup trop de temps à faire toi-même. Ouais, parfait. Bon bah tant qu'il le sait. tant qu'il le sait, con. C'est une manière de jouer aussi. Je veux dire, c'est comme là, l'espèce de jeu de carto que j'ai trouvé. Alors, je sais pas du tout ce que ça peut donner. Mais si les devs arrivent à le faire marcher, ça pourrait être très très cool. Ils n'y arriveront pas. Genre j'ai très très peu d'espoir, mais s'ils y arrivent, sérieusement, un deck où tu peux craft tes propres cartes, enfin créer tes propres cartes, avec toutes les options qu'il faut pour. Évidemment que la plupart des gens feront des decks pétés, mais il y a moyen de faire des trucs super intéressants. Mais, non, 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 ça se ment. Ah! Alors tu vas allumer. Voilà! Allez! Bon appétit, l'engeance. Pas de soucis, Ginji, repose-toi bien. D'accord. Oui, non mais... après, s'il a un archétype qui lui convient et qu'il peut le jouer sous ses variantes, en vrai... Ouais, c'est qu'en gros, il ne te counter pas. Repos, messieurs. Vous avez fait du bon boulot. Merci, mon colonel. Franchement, on était juste là pour nettoyer après vous, chef. Oh, arrêtez ça.
Nettoyer, bien sûr. Je tiens à vous féliciter officiellement au nom de l'OSCOM. On est au service de l'OSCOM. Parfait! Allez vous débarrasser de ces combinaisons et reposez-vous. Avec plaisir, chef. Merci, chef. Alors, qu'est-ce que je... Oh, oui, ça me revient. Je me demande quelle quantité de radiation on vient de recevoir. Bah, en tout cas, c'est fait. T'en fais pas. On va recevoir un bonus pour cette mission. Et ils vont nous donner des doses au point de contrôle. C'est pas que je m'en fais. Je me demande juste si je devrais vraiment tout dépenser. On pourrait aller prendre un verre ou deux. C'est le réveillon du nouvel an, après tout. Et passer la journée de demain à dégueuler à cause des radiations. Merci bien. T'as raison. Mais je dirais quand même pas non à un petit verre. Pas de soucis, nous aussi. Comment va? T'inquiète, j'ai mis de côté quelques ampoules de trucs verts pour ce genre d'occasion. Je préfère ça. Ah! Chef, laissez-nous la combinaison et posez le lance-flammes. Toute trace de radiation doit être éliminée. Voilà. Je recevrai aussi une dose de trucs verts au point de contrôle, je les préviens. Vous avez reçu l'équivalent d'une semaine d'exposition, au moins. Bien, merci. Hop, et voilà. Merci, et à plus tard, mon colonel. Montez, mon colonel. Merci. Venez, les gars, montez! Allez, on vous emmène à Prospect. Merci, chef, mais on attend le transport envoyé par le QG. Il y a assez de place pour tout le monde. Amusez-vous bien. Allons-y, Petrovitch. Oui, chef. Ici QG. Colonel Kepnikov, rapport. Mission accomplie, camarade général. J'ai presque terminé, Tolia. Les verres sont cuits. Les gars s'occuperont du nettoyage. Je rentre à la maison. Après tout, on a une nouvelle année à fêter. Avec plaisir. Je me demande à qui je pourrais poser des questions à part un autre persévérateur. C'est facile pour toi. J'ai appris que ton fils était déjà capitaine. D'ailleurs, si tu veux bien, félicite Serioga pour moi. Pourquoi le féliciter toi-même? On organise une petite fête en famille de deux jours. En attendant, on va se revoir. On va te proposer après. Bien reçu. Terminé. J'ai terminé. Colonel, relevez votre manche, s'il vous plaît, pour l'injection. Et voilà. Relève ta manche, Petrovitch. Il y a droit aussi. Non, merci. Je préfère utiliser mon propre injecteur à la maison. Il n'y a pas de souci. Merci. Tiens-toi à l'écart des portes. Prochaine station, Krasny Prospect. La santé de ta petite fille se dégrade? Non, Dieu merci. Mais la ration de trucs verts qu'ils octroient aux enfants ne lui suffit pas. Même depuis qu'on est à Prospect. Donc, j'essaie de mettre de côté ce que je peux. Au cas où. C'est pas facile, mais on survit, et c'est l'essentiel. Ah, mais là, c'est pas vrai, nous. Alors, vous avez fait flamber cette merde? Pas qu'un peu, Petrovitch. Ouais, pas qu'un peu. Mon ami, c'est une bonne nouvelle. Même si on sait que ça reviendra encore plus dense, comme à chaque fois. Tu vois, les pompes ne fournissent plus. À cause de ces substances gluantes, elles tournent en continu depuis plus de 20 ans.
Cette merde n'arrange rien. Les filtres se bouchent, tous les joints explosent, le fer rouille. Et le vieux système anti-inondation ne va pas tarder à rendre l'âme. On devra se déplacer en bateau. Tu ferais un bon gondolier. Et je peux chanter aussi. Pitié, pas ça, je t'ai déjà entendu chanter. Et à l'époque, c'était possible, nous aussi. Mais jette des screens du... Enfin, jette un œil au screen de... Enfin, à des screens du jeu que je, dont je parlais. C'est... Il a l'air assez étrange. Merci pour le trajet, Petrovitch. Je te souhaite une bonne année. Ouais, à toi aussi. Oui, mais bon, après... C'était un jeu qui n'est jamais sorti hors Japon. Donc, bon. Genre, là, c'est vraiment, ils ont regardé les screens qu'ils avaient reçus du jeu. Ils étaient en mode, c'est de la PS1, ça? Ouais, mais on dirait de la SNES. Allez, ça dégage. C'est parce que c'était un RPG. Je veux dire, en même temps, Final Fantasy VII sortait, qu'est-ce que tu voulais que ça les intéresse, hein, un RPG de PC Engine. Mon colonel. Oui, de ce que j'ai compris du jeu, donc de... Comment il s'appelle de Linda Cube, c'est un espèce de jeu de science-fiction où les personnages savent qu'il va y avoir une météorite qui va tomber sur leur planète dans quelques années. Et apparemment, Dieu a créé une arche en bois dedans, enfin dessus. Et a fait, il nous faut deux pilotes. Et que vous capturiez un mâle et une femelle de chaque espèce et que vous la mettiez dans notre arche en bois. Voilà. Sauf que c'est de la SF et que bah ça a l'air d'être à la fois avec beaucoup de second degré. Et apparemment c'était très chiant à traduire. Mais ça m'a l'air intéressant. Bon, colonel. Mais oui, c'est typique du cas de jeu où les mecs, ils ont regardé et ils ont fait... C'est intéressant. Là où, sur la même page, tu vois que Tactics Ogre... ils étaient un peu plus hype. Enfin, Ogre Battle. Parce que je crois que c'est un espèce de Tactics Ogre. J'ai confondu les deux, tiens. Ainsi soit-il. Arrangez-vous pour mener à bien votre mission. Rompez. Chef, oui, chef. Oh, ça va. Je t'attendais justement. Approche. Mets-toi à l'aise. Mais la page qui m'aura le fait le plus rire, je suis tombé dessus au hasard. Hein. C'est la page Pokémon où ils ont écrit Pokémon avec un espace à chaque fois. Parce que Pocket Monster. J'étais en mode, oui. Il y a eu du nouveau de notre côté pendant que tu faisais des grillades. C'était une autre époque. Regarde ces cartes. Les zones irradiées? Oui, des stalkers ont rapporté ça du centre de communication. Maintenant, je veux que tes gars y retournent pour récupérer les dernières cartes. Celles qui détaillent tout le pays, pour qu'on sache où aller. Je veux que tu t'en occupes personnellement, et surtout dans le secret le plus total. Compris? Vas-y, Tolia. Viens-en au fait. Est-ce qu'on est en train de préparer une évacuation? Très bien. Ça ne doit pas quitter cette pièce. Oui. On ne peut plus attendre. On n'a plus de trucs verts. Il va falloir procéder à des confiscations. Ça ne doit pas se savoir pour le moment.
Pourquoi ce secret? C'est une bonne nouvelle. Tu le sais, les citoyens donneraient volontairement leur stock si on leur demandait. Ça n'est pas de mon ressort, cela. Mais parfois, il vaut mieux garder la bonne nouvelle pour la fin. Je vois. Merci de m'avoir prévenu. N'oublie pas, ça reste entre nous. Tu me connais. Allez, bonne année. Je ferai bien de rentrer maintenant. En tant que héros de guerre et père célibataire, le commandement a le plaisir de t'offrir un cadeau pour la nouvelle année. Une double ration. Merci. Je ne te retiens pas plus longtemps, à moins que... un petit thé. Toi, tu sais comment tenir un homme éloigné de sa famille. Comment va Seryoga ? Fier comme un porc, bien sûr. Tu te rends compte ? Mon fils est capitaine maintenant. Pourtant, j'ai rien fait pour. T'y crois, toi ? Bien sûr que j'y crois. Ça ne m'étonne pas du tout de toi, ça. Je pense qu'il doit se débrouiller pour arriver à ses fins. Ça forge le caractère. Ça, c'est sûr. Il avait tendance à être trop gentil, comme sa mère. Mais il s'est endurci. Tu as toujours été dur avec lui, presque trop. Moi, je ne pourrais jamais. À vrai dire, je vous ai bien observé, Kirill et toi. Et je pense que tu t'en sors sacrément bien. C'est déjà un vrai petit homme, un combattant de l'OSCOM. Oui, ça, il adore tout ce qui touche à l'OSCOM. On est comme des super-héros pour lui. Ça fait presque froid dans le dos. Mais on est des héros. On sauve tous les gens qu'on peut pour offrir un avenir à nos enfants. Il n'y a rien de mal à ça. Il y a encore pas mal de choses qu'il ne comprend pas. Et il nous idéalise un peu. Il pense qu'on est des chevaliers sans peur et sans reproche. Mais la réalité est... plus complexe. Certaines choses sont inévitables. Et quand je le regarde, je me demande... est-ce qu'il comprendrait si je lui disais la vérité? Et ce jour viendra. Kirill est un homme, il comprendra. Un vrai héros, Slava, ce n'est pas quelqu'un qui joue des muscles dans sa belle armure. Un héros, c'est quelqu'un qui fait ce qui doit être fait. C'est rarement joli, et c'est souvent sanglant. Mais il le fait tout de même, parce que c'est nécessaire. C'est comprendre cette réalité qui fait de nous des hommes. Peut-être. Mais moi, je pense qu'on dirait surtout que la fin justifie les moyens. Bon, allez, quoi. C'est que des conneries, tout ça. Oh, la fin justifie les moyens. Tu peux pas dire ça. Ça n'est pas acceptable. Honte à toi. Notre professeur de philosophie, Maria Ivanovna, nous l'a appris. La fin justifie les moyens. Comment on avancerait, sinon? On fait des sacrifices pour atteindre nos objectifs. Ça a déjà fonctionné autrement. Et c'est toujours justifié? D'accord. Tu marques un point. Tu as raison. C'est le seul moyen d'avancer. Mais j'ai toujours pensé que c'était une question de sincérité. Mais je ne sais pas si la fin justifie les moyens. Il faut toujours être sincère avec soi-même. C'était profond. Très philosophique. On dirait que tu as bien écouté les cours de Maria Ivanovna. Bon, je crois que je vais y aller maintenant. Bien sûr, Slava. Désolé de t'avoir retardé. Va, va voir ton fils. Salut Kirill de ma part et bonne année à vous. À toi aussi, Tolia. Je vais préparer mon discours en attendant. Je déteste parler en public. Mais au grand mot, les grands remèdes. Ah, chers citoyens de Krasny Prospect et invités des autres stations. Elles sont sympas, les tenues militaires russes. Je devrais peut-être commencer par mes frères et mes sœurs. Non, trop ringard. D'accord, ils ont récupéré des cartes. L'année 2034 touche à sa fin. Oh. Non, ça va pas. Tu peux reconnaître tes livres là-dedans ?
L'année 2034 est presque... Oui. Oui, j'en ai reconnu un. Oui, c'est mieux. Bonjour, colonel. Bonne année à vous. Allez, vers, on va être en retard. En retard pour... Bonjour, colonel. Il y a trop de gens. Vous n'allez pas pouvoir passer. Vous feriez mieux de passer par le restaurant pour atteindre la galerie. Merci. Bonne année. À vous aussi, mon colonel. Ce qui me manque pour vraiment me donner envie de faire la fête comme avant la guerre. Des oranges. Oh, bon sang, c'est pas vrai. Il fallait que tu m'en parles. C'est malin, maintenant je vais passer la nuit à y penser. Désolé. C'est juste que ça fait déjà 3 jours que j'y pense tout le temps. Peut-être qu'on pourrait y penser ensemble. Oh, tu sais, Vania, c'est fou d'être ici. Vraiment, je me demande pourquoi je t'aime. À cause de mon charme fou, quoi d'autre? T'as peut-être raison. Ah, parfois, je me dis que c'est plus facile pour les enfants. Ils savent même pas ce qu'ils ratent. Comme les oranges. C'est une couleur qu'on ne voit même plus. Et cette odeur, cette saveur... Bon sang. Je suis juste pas d'humeur à faire la fête. Les livraisons de trucs verts sont toujours en retard, comme d'habitude. Et cette fois-ci, ils en ont même pas donné pour le nouvel an. On n'arrive même pas à joindre les deux bouts. Comment je pourrais être heureux? Ma mère sait le jouer, celui-là, de morceaux. Mais j'ai l'impression que là, ils le font qu'avec une seule des deux mains. Et que genre, y a pas la main qui fait les basses. Espèce d'ivrogne! Mais regarde-toi, salaud! Écoute, Tania, je... Alors c'est ça, la nouvelle année? Tes enfants n'ont rien à manger et tu dépenses tout notre argent en boissons? Oh, allez, Tania! Allez, écoute-moi bien! Regarde ce que ton fils est obligé de porter! Regarde ce que je suis obligé de porter! On n'a rien à manger! Tu le comprends, ça? Je dois de l'argent à tout le monde! Je n'ose même plus croiser le regard des voisins! Tu te soucies de nous, au moins! Tu me fais honte! Tu as bu tout ce que nous avions! Et le truc vert, aussi! Ils n'ont pas donné beaucoup... Un salaud de radin. Et puis allez, c'est le nouvel an. Espèce d'ordure, pourriture, ivrogne, une honte. Pourquoi j'ai accepté de t'épouser? L'alcool, voyons. Pour l'alcool. Oh, allez, Tania. S'il te plaît, pleure pas, Tania. S'il te plaît. Ah. Colonel, chef, bonjour. Ouais. Dites-moi, colonel, qu'est-ce que je dois faire avec ma femme? Tout d'abord, il faudrait arrêter de boire. Oui, chef, colonel, j'arrête de boire ce soir. J'adore ça. Oui, alors. Ah, oh, ça pique. Allez, santé. Donc ouais, si on reste vraiment jusqu'au bout, il y a vraiment que... il répond vraiment. Compris. On fait la fête, colonel. Venez vous joindre à nous. Poursuivez, je rentre chez moi. Bonne année. Merci, mon colonel. Saluez Kirill pour nous. Merci. Bonne année, colonel. Au fait... Ça fait un moment que j'ai pas vu Sacha, tu sais, celui de la 3e compagnie. Tu le connais, toi ?
Celui avec les grandes oreilles. Tu sais, celui qui raconte des vieilles blagues tout le temps. Il est passé où? Écoute, tout va bien. Ils l'ont envoyé à la surface pour assurer la protection des équipes de construction. Des équipes de construction? Ils construisent un nouvel entrepôt? Non, la route. Laquelle? Bon sang, la route secrète. Ah, t'aurais dû me dire. Chut, propos inconsidérés, bateau coulé. L'ennemi nous écoute. Ou plutôt l'ami, mais c'est encore pire. Vieille arcade. Bonne année, colonel Klebnikov. À toi aussi, Mikhaïl. Vous prenez un verre? Le premier est pour moi. Ah, c'est tentant, mais non, merci. Comme vous voulez. N'hésitez pas à venir plus tard, quand le petit dormira. On sera ouvert jusqu'à l'aube. Merci, je passerai peut-être. Écoute, on finira bien par sortir un jour, tu crois pas? On n'est pas des taupes, on n'est pas vraiment fait pour vivre sous terre. Donc, imagine qu'on sorte et qu'on tombe sur l'armée. Il doit bien rester d'autres gars. Je peux pas croire qu'on soit les seuls. Oh, pour une surprise, déboire un coup avec nous pour la nouvelle année, mon colonel. Bonjour, colonel. Ça nous ferait plaisir de prendre un verre avec vous. Ah, désolé les gars, mais je dois rentrer à la maison voir mon fils. Bonne année à vous tous. Ah, merci, colonel. Merci, colonel. Bonne année à vous aussi. Donc, les gars te demandent ton sort. Laisse-moi au moins te prendre dans mes bras. Major Bikov. Regarde, il y a des gens partout. Oh, allez. C'est étrange, on a bien un lieutenant Bikov dans nos listes, mais pas de major. Alors vos étoiles, vous pouvez vous les prendre et vous les mettre où je pense. Oh, c'est des conneries. Ah ouais? Ils pourraient te faire passer en cour martial pour usurpation de grade. Oh, mais qu'est-ce que ça peut bien faire? De quelle armée tu parles? On le saurait s'il y avait encore une armée. Ça fait 20 ans. Toutes les unités sont comme nous maintenant. Au mieux, il reste quelques gars ensemble. Mais c'est tout. Et quand tu dis qu'il peut rester des documents officiels, ou même des gens qui en ont encore quelque chose à faire, après tout ce temps, tu te fous de ma gueule. Et ça t'amuse en plus. Et même si on rencontrait quelqu'un, personne n'en aura rien à foutre de nos étoiles et de nos distinctions. Maintenant, tout ce qui compte, c'est de savoir faire son boulot. Est-ce que t'as de l'autorité? Est-ce que tu peux garantir la discipline, exécuter les ordres? C'est ça qui compte vraiment. La bureaucratie, c'est terminé. Pour de bon. Joie. Mais tu crois que ça s'est passé comment? Les villes ont été bombardées, c'est certain. Mais on ne peut pas anéantir l'armée avec une seule frappe. L'armée, c'est des hommes, des armes, des véhicules. Une véritable force. Une force comme ça, ça disparaît pas du jour au lendemain. Certaines unités ont dû être épargnées par l'attaque. Elles ont dû se replier et aller s'occuper des soldats restants un peu partout. Et ensuite, plus de carburant et impossible d'en récupérer. Pendant ce temps-là, le soldat Ivanov, il a pas envie de rester dans son unité. Il préfère retourner dans son village natal pour vérifier que sa mère va bien. Et qu'est-ce que tu veux y faire? Les réserves de nourriture commencent à diminuer. Et comment tu veux en récupérer? Au début, les civils t'en donnent un peu, puis ils les cachent et finissent par tirer dans le dos. Et quand l'hiver nucléaire arrive, ton unité se sépare. Et il reste plus que quelques groupes de mecs disséminés par-ci, par-là. Tout n'est que chaos, insubordination, désertion, pillage et banditisme. Les ordres des commandants sont tous plus stupides les uns que les autres, et toute autorité disparaît comme par magie. T'as bien vu comment ça s'est passé? Personne sait quoi faire. Tout le monde agit par opportunité. Et du jour au lendemain, un autre lieutenant devient ton ennemi juré, parce qu'il s'intéresse à la même citerne de carburant que toi. T'as pas besoin de moi pour t'en rappeler. Tu penses que c'était mieux ailleurs?
Je te le dis, on a eu de la chance de trouver un abri. C'est vrai. T'as raison. Et si on buvait à notre chance? Ah, ouais. Wow. Et voilà. Hop, message d'un vendeur. Misha, ne ferme pas avant le retour des vaches ce soir. Si t'as plus rien à leur servir, va faire un tour chez le chauve, ils seront tellement bourrés qu'ils ne verront même pas la différence de toute façon. Faut bien qu'on trouve de quoi vivre autant qu'on peut. Ils vont diviser les rations de ce truc vert par deux en janvier. Le pourboire est pas mauvais avec les ronds de cuir. Boris. Soldat. Bon, mais je dois tout de même vous demander un rapport. Oh, la mission d'aide aux festivités est presque terminée. Il ne reste plus qu'une ampoule à installer. Repos, soldat. Je vais t'aider. Bonne année, papa. Je pensais pas que t'arriverais à temps. T'étais en retard pour mon anniversaire, et pour celui de maman aussi. Ah, tu sais, je fais juste tout mon possible pour empêcher au maximum que des anniversaires de ce type aient lieu dans les autres familles. Oh, oui, je comprends. Ravi de l'entendre. Maintenant, allume-les. Mission accomplie. Beau travail, soldat. Merci. Oh, papa, j'ai quelque chose pour toi. Tiens, Petrovitch m'a aidé à la réparer. Oh, merci, fiston. En parlant de Petrovitch... Dès que les célébrations officielles seront finies, tout le personnel doit se laver le visage avant de se rendre chez Petrovitch en portant l'uniforme de cérémonie. Youpi ! Chez Petrovitch, le visage propre en uniforme. Bien reçu, mon colonel. Waouh ! L'arbre est tellement beau ! Oui, écoute. Chers citoyens de Krasny Prospect, et invités des autres stations, l'année 2034 est presque terminée. Ça aura été une année difficile, mais toutes ces épreuves auront contribué à nous unir autour de notre objectif à tous, le bien-être de quiconque vit ici, dans les tunnels. Nous abordons l'année à venir avec l'espoir d'un vent de changement, un changement qui ne sera possible que grâce à tous nos efforts communs. Au nom du commandement de l'OSCOM, je tiens à tous vous remercier pour votre travail et à vous souhaiter une bonne année. Bonne année 2035. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année. Générateur est encore en panne. Tirez les cinématiques. La vérification des communications du brosoir est terminée. Je vous retrouve pas sur ça, colonel. Kirill, je suis au niveau des commerces. Dis-moi, où se trouve le passage vers Sibirskaya? En bas des marches. Le QG d'Oscom était là-bas. C'est là qu'ils apportent le truc vert qu'ils prenaient aux gens. Je vois. Des confiscations. Je l'ai trouvé. Merci, soldat. Citoyens, nous vous prions de garder votre calme.
volontairement vos réserves de radioprotecteurs aux autorités. N'oubliez pas, il est de notre devoir à tous de rester unis et d'œuvrer pour le bien commun de la population. Ça suffit. Puis-je, général, chef ? Ce n'est pas drôle, Sarah, et je ne suis pas d'humeur pour ça. Quoi de neuf à Sibirskaya ? On a terminé, et voilà ce qu'on a pu récupérer. Pas grand-chose. C'est pas bon. On est en plein dans une zone de retombée. Et on va devoir s'exposer sur au moins 500 bornes. Tes hommes ont rapporté quelques cartes, mais aucune n'indique de zone vraiment sûre. J'avais pensé au lac Baïkal, mais... Compliqué de trouver Baïkal. Les archives sont saccagées. Pour les radiations, on a des filtres efficaces, tant que la poussière ne passe pas. Des filtres. Les wagons sont tellement radioactifs que les filtres ne suffiront sûrement pas sans truc vert. Et il y aura des enfants en plus. Tu as un fils, tu sais très bien qu'il en faut plus pour eux. Je sais. On en a assez ? Pas pour tout le monde, non. On va d'abord évacuer les personnes essentielles et reconstituer les stocks. Ensuite, on fera sortir les autres. Tu veux dire qu'on va devoir les séparer en deux catégories ? Ceux qu'on sauve en premier, et les autres, les déchets ? Tu sais ce qui est en jeu ? La vie de nos enfants, entre autres. Y a même pas à discuter. Je m'attendais vraiment pas à ça venant de toi. Pense à Kirill. Tu vois, moi j'y ai pensé. Vous aurez une place dans le premier train. Ne me lâche pas maintenant. Oublie tout ça et repose-toi. Tes hommes peuvent s'occuper de Prospect sans ton aide. Très bien. Oh, je fumerais bien une clope. T'en veux une ? Ouais, c'est pas de refus. Vas-y, serre-toi. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas fumé comme ça. Les stations contaminées grouillent d'émeutiers, tu vois le genre. N'arrête pas de parler de se débarrasser du régime et de commencer une nouvelle vie. Et ils vont sauter sur l'occasion. Exactement. Dès que les gens apprendront qu'on est à court de trucs verts, et que les rumeurs d'une évacuation se propageront, ce qui arrivera. Évidemment, et exagéré, forcément. Les dirigeants sont en train de fuir, abandonnant le peuple à son sort. Ils sauteront sur l'opportunité. Voilà, tu as tout compris. On maintiendra l'ordre aussi longtemps que possible. Dieu nous garde d'une insurrection totale. Enfin, Dieu aide les esprits préparés. Garde ton arme près de toi, Slava. Ça ne sera pas une partie de plaisir. Ah, non. Ça s'annonce même plutôt moche. Oui, mais on n'a pas le choix. Soit on sauve ceux qui peuvent l'être, soit on sombre dans le chaos et tout le monde meurt. Si jamais tu dois faire feu, vois ça comme une guerre contre des zombies. Chacun des émeutiers est un mort-vivant qui essaie de nous entraîner dans sa tombe. C'est plutôt cynique. Cynique, mais réaliste. Espérons qu'on n'en arrive pas là. Est-ce que tes hommes sont prêts à faire leur part ? Ceux qui ne l'étaient pas ont laissé tomber depuis des années. Qu'est-ce que tu penses des autres ? J'ai quelques doutes sur certains. On va discrètement commencer à démanteler et désarmer leurs unités. Tu risques de jeter de l'huile sur le feu en faisant ça. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Je serai perdant dans tous les cas. C'est pas faux. Ah, bon, je suis épuisé. Si ça ne t'embête pas, je vais rentrer. Bien sûr. Repose-toi tant que tu le peux encore. Tu n'as pas beaucoup de temps, je le crains. Et Slava, fais attention. Toi aussi, Tolia. Alors, le Metro Exodus, Naro, c'est entre, on va dire, 30-35 heures. Ça n'ira pas. Toute la zone est irradiée, ça n'ira vraiment pas. Et avec les DLC, ça fait 5 à 10 heures de plus. La zone de retombée est énorme. Ça doit être un sacré nuage. Alors, les niveaux sont mortels tout autour. Eh bien, qu'ils comprennent notre situation et apprécient grandement.
fois qu'ils auront mis la main sur le nouveau stand, on n'aura qu'une seule chance. On doit être sûr de notre coup, pas le droit à l'erreur. Alors, j'ai fait Metro 2033, Metro 2030, Metro Last Light, et là c'est le troisième. Il y a trois jeux, ouais. C'était un autre métro. Oui, général, vous avez raison. Merci ici. De m'avoir reçu malgré votre emploi du temps chargé. Vous comprenez, on est inquiet. Tous nos biens durement gagnés ont été confisqués. Il m'a raccompagné jusqu'à la porte et m'a serré la main, avec respect. Espèce de mauviette, qu'est-ce que je t'avais dit? Tu devais lui résister. Ces documents servent à que dalle, à part tapisser les murs de putain d'abrutis. Il fallait demander un vrai document, une reconnaissance de dette du général en personne, datée et signée de sa main. Tu es un homme respectable, Yakov. Comment tu as pu le laisser te faire ça? J'avais pas le choix. Il me l'a tout de suite fait comprendre. C'était évident, vraiment. Dans son regard, sa poignée de main, il aurait refusé. J'ai préféré sauver les apparences. Parce que tu es un lâche, Yakov. Il savait que tu abandonnerais. Il fallait insister. Bon, reste ici. Je vais aller lui parler et il va nous donner ce qu'on veut. Tu vas voir. Il faut bien que l'un de nous deux en ait dans le pantalon. N'y pense même pas. C'est trop tard, il n'y a rien à ajouter. Ha, j'aurais dû écouter ma mère. Elle avait raison. Ah. Bonjour, colonel. Quelle est la situation, sergent? Il commence à s'agiter, mon colonel. Très bien. Ce qu'il faut, c'est garder notre calme et ne pas répondre aux provocations. Oui, chef. On n'a rien eu la semaine dernière. Comment ils peuvent nous faire ça? Colonel, s'il vous plaît, dites-leur de faire quelque chose. Pitié, colonel. Dites-leur de commencer la distribution. On ne peut plus attendre. Citoyens, restez calmes. Ne poussez pas. Nous distribuerons bientôt le réveil. Alignez-vous correctement. Laissez-nous passer. Ne commençons pas avant le retour. Reculez. Mon colonel, la mission de parler? Accordé. Selon un tuyau anonyme, il aurait encore des stocks. On est obligé de vérifier. Mais il veut pas ouvrir. Je vois. Allons-y. C'est quoi votre problème? Hé, hey, on dirait que tu m'aimes bien. Fais attention à ce que tu touches, mon garçon. T'excite pas trop. Ça va finir en chagrin d'amour. Je mange pas de ce pain-là. Ça suffit! C'est trop long! Cesse de te plaindre. On connaît tous tes manigances. Et on t'a à l'œil à cause de la loi martiale. C'est tu resteras là jusqu'à ce qu'on le retrouve. Et si tu continues à résister, tu vas manger ce que je veux jusqu'à ce que tu me dises où est le truc vert. Évidemment, le jeune Grisha a tellement picolé qu'il a fallu le porter jusqu'à chez lui. Ouais, et on l'a perdu en chemin parce qu'on était aussi bourrés que lui. Oui. Ah, cette époque me manque. C'était plus facile et plus drôle. Ouais, plus drôle, c'est vrai. Et carrément plus facile. Ouvrez, Petrovitch. Ça va? Entre. Merci. Suivez-moi. Mikhail Petrovitch, vous savez pourquoi on est ici. Remettez-nous votre stock sans montrer de résistance, si vous ne voulez pas d'ennui. Je peux pas. Tu sais bien que je peux pas. C'est pour ma petite fille. J'économise sur mes propres rations. Je peux rien, moi. On a reçu un tuyau concernant votre stock, et on doit agir. Commencez les recherches. Fouillez, là. C'est injuste. Je l'ai mérité. J'ai fait des économies. Je l'ai gagné honnêtement. Je sais, et mais nous respectons les règles. Une cachette, chef. Effectivement, il en a. Une il n'y a presque rien, par contre. Ma petite fille est très malade. Elle en a besoin. Ta petite fille, ouais, mon œil. Ça aurait fini sur le marché. Colonel, dites-leur. Pitié, vous savez que c'est vrai.
Colonel, il en a forcément plus. Faut continuer la fouille pour atteindre les quotas. Assez. On ne confisque que le surplus de stock. Soir Fulgost, comment va ? C'est quoi votre problème ? Mes chefs, je vais devoir faire un rapport complet. Apportez ça au QG et dites-leur que la décision de stopper la fouille vient de moi. Oui, ça va. Je suis désolé. Je sais que tu n'avais pas le choix. Merci de m'en avoir laissé. Je suis désolé aussi, mais tu as raison, je n'avais pas le choix. Personne ne l'a. Je dois y aller maintenant. Merci. De rien, je t'en prie. Merci, Slava. Ça suffit. Votre quota n'est pas sorti de nulle part. Il a été calculé correctement et il en manque. Payez votre... Boris, si t'as des tocards qui t'apportent des bonbons de l'OSCOM, au lieu de trucs verts, dites-leur d'aller se faire foutre. Ok, ce sont de bons officiels tamponnés et signés, ils promettent de nous rembourser, mais tu les crois, toi ? Ils dépouillent les imbéciles, c'est tout. Mon troquet est rempli de ces tocards en ce moment, et chacun avait une ou deux boîtes max. Au début, je pensais accepter les bons pour la moitié de leur valeur, histoire de me faire une marge. Mais le chef est arrivé pour échanger un bon contre deux ampoules. Alors maintenant, soit ils payent en trucs verts, soit ils vont se faire foutre. De toute façon, je crois que ces bons serviront aussi castor sur le cul. Misha. Officier, réfléchissez. Où est-ce que je suis censé en trouver autant ? Vous avez pris au peuple tout son truc vert, le marché est mort, et maintenant vous me collez un quota digne d'un roi ? Mettez-vous un peu à ma place. Moi aussi, j'ai un quota à remplir. Et tout le monde se fout de savoir comment je vais faire. Un quota, mais cool ! Je peux pas juste décider de faire apparaître du truc vert comme ça ? Et vous pouvez le répéter à vos supérieurs. Bon, il y a un quota qui a été défini. Et ça recommence. Il y a un quota défini et que vous devez respecter d'une manière ou d'une autre. Tiens, salut. Où est ta femme ? Tatiana. Je ne partirai pas sans le tu sais, que vous nous devez. Elle est morte. Morte ? Quoi ? Comment ? Pas du tout, j'ai pas la moindre idée de ce que je raconte. Le cœur. Elle avait un problème de cœur. Elle s'inquiétait toujours pour quelque chose. Les enfants, ce que je buvais. Oh, je suis vraiment désolé. Je savais pas qu'elle était morte. Est-ce que je pourrais t'en emprunter, s'il te plaît ? J'ai besoin de trucs verts. Je suis en deuil. Pour trouver une solution. Tu vois pas ce qui se passe ? J'en ai pas non plus. Et votre famille ? Personne n'en a, en fait. L'OSCOM a tout pris, à tout le monde. Tout ce que tu peux avoir, c'est mes condoléances. Rien de plus. Réfléchissez. Bien sûr, il a perdu la boule. Il devait venir d'une station contaminée ou du dépôt. Il pensait certainement qu'on nageait dans le truc vert ici. Quel idiot. Ah, oh, mais enfin, comment tu peux dire ça ? Mais je peux même dire mieux. Il devrait même pas laisser entrer ces gens-là ici. Et encore moins les aider. Chut, ils vont t'entendre. T'as raison. Tu dis toujours que je fais que geindre et que tout va bien se passer, mais... Mais t'y crois encore ? Bien sûr. On est dans la merde, oui. Mais vois le bon côté des choses. Où est-ce que tu vois un bon côté, toi ? Je l'avais dit qu'on finirait par être à court de trucs verts, et vous m'avez tous ri au nez. Qui avait raison, hein ? Au final ? La dernière fois qu'on a eu des problèmes d'approvisionnement, tu gueulais que le ciel allait nous tomber sur la tête. Tu te souviens ? Et la fois d'avant, t'étais totalement paniqué. Il y a 5 ans aussi, tu te rappelles ? Eh ben, on s'en est sorti à chaque fois. Ouais, bon, je me suis un peu planté, mais j'avais raison sur le principe. Quand même, vous ne pensez pas réellement que les réserves de trucs verts sont illimitées, si ? Un jour, on va bien finir par être à sec. Faudrait faire gaffe à ce que tu dis.
On est sous la loi martiale. Mais je vais quand même te répondre. Les dirigeants sont pas plus cons que toi. Ils ont forcément un plan. Alors, on va s'en sortir. Tu verras. Le plan, c'est de vous abandonner ici et de se barrer nous. Mais d'autre côté, je vois pas quel autre plan ils auraient pu prendre. La zone est complètement irradiée. Ils ont besoin de ce qu'ils appellent le truc vert, c'est des anti-radiations. Ils ont besoin pour faire des travaux en haut, pour préparer les trains, pour s'en aller. Et ils ont pas de place. Bon. Et bah. Bonjour, mon colonel. Ravi de vous revoir. Je m'excuse pour le désordre, mais les réfugiés arrivent en permanence. Les stations contaminées sont en difficulté. Le général a ordonné qu'ils restent ici pour l'instant, avant de les transférer ailleurs. Je vois. Merci, sergent. Oscom, ouvrez! Ah, bonjour, soldat. Je suis absolument épuisé. Kirill? Allez, soldat, dis-moi ce qui va pas. Non, rien. Mais je veux pas... Tu ne veux pas quoi? Être un soldat! Et je veux plus faire partie de l'OSCOM! Ok. Vas-y, tu veux bien développer? Je suis allé à Sibirskaya, et j'ai vu les soldats prendre leur truc vert aux gens. Un vendeur voulait pas leur donner. Il a commencé à crier, ils l'ont tabassé, et ils ont pris tout son truc vert. C'est tout bonnement inacceptable. Demain, à la première heure, j'irai demander leur nom. Tu m'as dit que l'OSCOM protégeait les gens. Mais vous faites que leur voler leur truc vert. Pourquoi? C'est... compliqué. On est à court de trucs verts. On doit donc en prendre à ceux qui en ont beaucoup et le donner à ceux qui en ont pas assez. Si on ne le faisait pas, les riches garderaient leur stock et laisseraient les pauvres mourir. Est-ce que ce serait juste pour toi? Pas du tout. Ça serait pas juste, bien sûr. Voilà. Évidemment, ceux à qui l'on prend ne sont pas contents, mais il n'y a pas d'autre solution. Si on prenait tout mon truc vert, je serais pas content non plus. Mais je comprends mieux. Bien. Ces soldats n'auraient pas dû agir ainsi. Je m'assurerai qu'ils soient punis et ensuite ils devront s'excuser. Oui, il le faut. Ils doivent s'excuser. Bien. En parlant de truc vert, il est temps de te faire une piqûre. Alors donne-moi ton bras. Très bien. Voilà. Thank you.
Kirill, ici Melnik, tu me reçois ? Terminé. Je vous reçois, colonel. Il est séparé. À vous. Oui, j'entends ça. J'arrive à Sibirskaya. C'est ici qu'a eu lieu le dernier affrontement. À toi. Oui, je le sais seulement parce que mon père me l'a dit, juste avant que les émeutiers ne lancent leur dernière attaque. On en a parlé. Papa, tu dois vraiment y aller? Tu t'es même pas reposé? Les émeutiers avancent, je n'ai pas le temps de me reposer. Les émeutiers, dis papa, si nous, l'OSCOM, on protège les gens, pourquoi on leur ment? Eh bien, tu as grandi, soldat, et tu es plus sage. Alors, parlons en adulte. Doit-on dire la vérité? Bien sûr. Mais la vie n'est jamais aussi simple. Entre les mains de nos ennemis, la vérité pourrait être dangereuse. On doit choisir prudemment ceux à qui on la révèle. Sinon, on la garde pour soi. Le commandement a toutes les cartes en main et prend des décisions. Et même si elles peuvent être parfois déplaisantes, elles restent nécessaires. Le commandement pense à tout le monde, alors que les civils, eux, ne pensent pas aux autres. C'est pourquoi on doit leur cacher les vérités qui pourraient les effrayer, pour leur bien. Tu comprends ça? Oui. Mais bon, ça fait peur comme façon de penser. La vie est pleine de choses qui font peur. Mais j'ai bien réussi à t'élever. Tu es fort et courageux. Tu comprendras. Bon, il faut y aller. Va à la maison. Tu ne sors pas et tu ne laisses entrer personne jusqu'à mon retour. C'est un ordre. Oui, mon colonel. Sergent, ramenez-le. Oui, chef. Allons-y, Kirill. Très bien. Bonne chance, papa. Bonne chance, fiston. Hop là. Ah non mais... J'aime bien laisser les conversations jusqu'au bout, je trouve ça quand même plus intéressant. Je l'ai déjà dit que je considère les métros comme des jeux narratifs. Ça peut sembler étonnant dit comme ça, mais... À mon goût, c'est le cas. Ah la siotte, ok. Double canon. Viseur réflexe fermé. Et un laser infrarouge. Très bien. Eh bien, au moins c'est des armes que je connais. Pas de truc à lire dans le coin. Tu en auras, nous aussi, tu en auras. Rapport d'enquête à l'intention de l'enquêteur du service spécial de l'OSCOM, Périplétique YI. Un simple examen visuel des corps a montré des signes d'irradiation modérée chez la plupart des émeutiers. Hémorragie, lésions atrophiques de la peau et des muqueuses, chute de cheveux, etc. Au vu de la sévérité des symptômes, ils ont arrêté le radioprotecteur il y a plus d'un mois. Impossible d'être plus précis, car il faudrait que je sache dans quelle station ils ont passé le plus de temps au cours de cette période. Je ne pense pas que des autopsies soient nécessaires, car je manque de personnel pour les réaliser. Responsable du service médical, Mandar AV. Cela va. Je suis désolé. Je sais que tu n'avais pas le choix. Si je n'avais rien dit, ils n'auraient jamais cru qu'ils avaient tout trouvé. C'est déjà oublié. Ni toi ni moi n'avions le choix à ce moment-là, Petrovitch. Bonne chance à toi. On se voit dans le train. Merci. Hmm.
C'est la gamine qui est en train de mettre les munitions. Bonjour mon colonel, ravi de vous revoir. Allez, ne restez pas là! Rejoignez les autres! Oui, chef! Est-ce qu'on peut trouver des trucs? Ce serait cool de trouver tous les textes, mais si j'en reste un, j'en raterai un. Lieutenant, je prends le détonateur. Couvrez-moi! Oui, chef. Écoutez bien, on couvre le colonel, on n'économise pas les munitions. Bien reçu! House. C'est là, je l'ai bien prise. Écoutez bien, on couvre le colonel, on n'économise pas les munitions. Ouh, ils ont des tanks. Ah. Allez.
répondez, QG. Ici Klebnikov. Ici QG. L'une des charges n'a pas marché. Non. Repliez-vous sur Sibirskaya et stoppez-les là-bas. Vous êtes notre dernier espoir. Bien reçu. Terminé. Mon colonel, ils ont fait sauter le tas et ils descendent de la surface. Alors là, Brice, aucune idée pour toi. Oups, ça brûle. Apparemment, je sais pas si je faisais les paroles. Comment ? Apparemment, t'as eu un moment où le farm t'a fait non. Ce que je peux comprendre. Répondez, QG. Ici Klebnikov. Ici QG. L'une des charges n'a pas marché. Oui. Bien reçu. Terminé. Enfin, pour être honnête, tu ne l'as même pas dit. Je l'ai... C'est juste que ça sentait que c'était abstrait. Ils ont fait sauter le taf et ils descendent de la surface. Ah oui. Tu disais que c'était des morts vivants, c'est pas une blague. Ça brûle. Répondez, QG. Ici Klebnikov. Ici QG. L'une des charges n'a pas marché. Non. Repliez-vous sur Sibirskaya et stoppez-les là-bas. Vous êtes notre dernier espoir. Bien reçu. Terminé. Poussez-les jusqu'au dernier homme. On n'aura aucun renfort. C'est eux ou nous. Qu'ils viennent savoir, on est prêts.
gaz! Ces enfoirés balancent du gaz! Sortez vite, tous! Du gaz! C'est du gaz! Accrochez-vous, je vais vous aider. Mais bon... Je vais contacter le général. L'opération est un succès. Les pions sont hors course. Parés pour l'évacuation. Espèce de connard. Comment ça, déjà parti? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? On commence l'évacuation. L'évacuation? Mais tu viens de tuer tout le monde! Soldats! Civils! Alors qui veux-tu évacuer? Slava, on a assez de trucs verts que pour évacuer le commandement. Tous les autres sont condamnés. Le gaz n'était là que pour abréger leur agonie. Alors tu le savais? Tu le savais depuis le début, sale enfoiré! Est-ce que j'avais le choix? Et puis qu'est-ce que ça change maintenant? Ils ont fait une grosse erreur en me laissant là. Petrov! Petrov! Ces fumiers sont partis sans nous! Vite, contactez Serioga! Quoi? Mort? Serioga? Mon fils. Très bien. Il y a un lance-roquette dans l'armurerie. Prenez-le et partez pour le vieux carrefour. Atomisez ces enfoirés! Go! Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, peu importe. J'en ai assez. Adieu, Slava. Papa, papa, oncle Tolia, est-ce qu'il s'est tué? Pourquoi? Ne regarde pas là. Je suis désolée de t'avoir désobéi. Il y avait une fusillade à la station. Tout est devenu silencieux et tu revenais pas. J'ai eu peur, alors je suis partie te chercher. Écoute, tu te souviens quand je t'ai dit qu'on choisit à qui on disait la vérité? Oublie ça. Ce n'est pas à nous de décider. Si quelqu'un te manipule, ce n'est jamais pour ton propre bien. C'est pour ça qu'il devait mourir. Je comprends. Bien. Maintenant, rentrons chez nous. Kirill, ici Melnik. Je suis à l'entrée du bunker. Bien reçu, colonel. On ne pourra plus vous joindre là-dedans. Alors partez, faites attention. Promis, Kirill. Melnik, terminé. Alors, ça dépendra plus de vous que de moi, ça.
Sapin ici, Holn, réponds. Terminé. Holn, ici Sapin. J'écoute. Terminé. Soldat, je suis devant le bunker. Une fois là-dedans, je serai injoignable. Je sais pas combien de temps. À quelle heure est la prochaine fenêtre radio ? Colonel. La batterie ? Chargeable. La porte ? Verrouillée. Je mangerai le foie. Je brûlerai les substances pures. Et je n'irai jamais dans les stations contaminées. Papa, tu m'as fait une liste complète. Je l'ai sous les yeux, là. Et c'est très bien. Ça t'aidera à t'en souvenir. C'est tout, Sapin. Je vais couper maintenant. Bien reçu, Paul. Terminé. Sapin, réponds. Terminé. Sapin, terminé. Je t'aime, fiston. Infiniment. Et je veux que tu manges ton foie, c'est compris ? Terminé. J'aimerais quand même mentionner pendant une seconde la qualité des transitions de ce DLC. Elles sont vraiment cool. Journal de Stalker. Le colonel a perdu la tête. Il veut qu'on retourne récupérer des cartes au centre de communication pour que les gradés du QG puissent récolter tous les honneurs. Tout le monde s'en fout si on prend des doses mortelles à chaque fois qu'on va chercher ces foutus trucs. Ce bunker ne me dit rien qui vaille, les radiations sont si fortes que les gars l'appellent la chaudière. Et puis il y a les mutants. La plupart n'ont rien d'extraordinaire, mais des géants aveugles ont été aperçus. C'est probablement pour ça que plusieurs groupes ont disparu. Je déteste cet endroit, et en mission encore plus. Au moins, ils nous donnent assez de trucs verts. C'est déjà mieux que rien, surtout par les temps qui courent. Ça existe. Sérieux? Je t'arrête, ça existe encore? Bah, let's go. Pourquoi pas? Alors, si, c'est plus d'un rôle qu'autre chose de voir. de voir des créateurs revenir à la vie comme ça. Genre, ça date, RuneScape. Mais vraiment. Ah. Ah tiens, de l'essence. Ah tiens, un crâne. Fais voir. Ok, on peut passer par là. Apparemment, il vaut mieux passer par le côté haut. Et ensuite, on peut continuer à avancer. Très bien. J'ai déjà complètement oublié ce qu'il y avait écrit. Parfait.
Oui. Ah non, mais ça me fait beaucoup rire quand il dort comme ça, à côté de la chaise. Parce qu'il dort comme un chien. Genre, je me demande s'il a pas, s'il imite pas le chien, justement. Ah, c'est cool les poissons, faut juste pas leur demander de montrer des émotions. Ce qui est un avantage et un inconvénient. Ouais, mais les oiseaux, j'aurais plus de mal à en avoir en compagnie, tu vois. Genre, ces bestioles, mieux vaut qu'elles volent comme elles veulent. Après, ceux qui arrivent à tisser un vrai lien d'amitié avec les rapaces et les trucs comme ça, j'avais croisé un... En Suisse, il y a un photographe qui a un rapace avec qui il part faire des randos et des photos, en fait. Apparemment, il avait sauvé le rapace à une période. Et donc, depuis, ce dernier le suit. Genre, il vit vraiment ensemble. Et il avait fait, il avait montré un film qu'il avait fait avec ses diverses photos. Et dans la salle, il avait fait voler son oiseau. Qui, effectivement, s'était posé sur son épaule. Mais genre, il avait l'air assez libre. Et genre là, ouais. Mais sinon, ouais, non, ça... Foutre en cage, c'est pas... Ouais, moi, le principal problème des rongeurs, c'est que j'ai trop de chats. Ce serait... pas la meilleure des idées. D'accord, ils vont sortir par là. Très bien. C'est faisable parce que mes chats mangent beaucoup, mangent suffisamment. Mais le problème est plus qu'ils essaient de jouer avec. Et là, on a les créatures qui approchent. Alors, qu'est-ce que vous êtes cette fois ? Il est sorti d'où, lui?
blindage de l'office du réacteur compromis. Tout le personnel doit évacuer le complexe immédiatement. Mais non, moi j'ai pas vraiment de bestiole dont... qui m'intéresserait à avoir. Les chats chez moi, ils sont libres, donc... ils vivent leur vie. C'est pas... Et alors, mon chien m'a fait changer d'avis complètement sur les chiens. Mais à côté, je sais qu'elle est particulièrement intelligente, donc ce serait dur d'en avoir un autre pareil. Parce que bon, elle est capable de savoir quand je termine mes lives. Alors certes, je dis plus ou moins toujours la même chose, mais elle le sait. C'est pas... Elle est en mode, voilà, c'est l'heure. Allez. T'as dit que t'as fini, on y va. Ok, ok. Et c'est un cas assez amusant. Elle est capable de nous regarder dans les yeux. Sans le moindre problème. Ce qui est très étonnant. D'avoir un chien qui te regarde droit dans les yeux. Ouais, c'est pas un bon endroit ici. Là m'a pas l'air. Là m'a l'air pas mal. Faut mourir, mon ami. C'est marrant, j'en ai pas l'impression. Ah zut. Ok, je peux clairement pas loot avant de... après avoir activé le truc. Par contre... parce qu'il y en a des machins à loot hein, ici, mais... ensuite, le combat, il est assez compliqué.
Donc l'endroit là-bas est pas mal. Voilà, l'endroit juste ici est vraiment pas mal. Recharge. Ok, elle est longue la bombe de là. Plus d'essence? Ah ouais, j'ai plus d'essence. Mais ils ont l'air de se barrer. Et autre chose a l'air d'être en train de se ramener. Ah oui. On connaît ces créatures. Tout le personnel doit évacuer le complexe immédiatement. Effet du confinement du réacteur. Administration auxiliaire connectée. Tout le personnel doit évacuer le complexe un atelier. Alors, fais voir. Ouais, système automatique, d'accord. Et un grand réservoir, très bien. On a largement assez.
pas de truc écrit ou de machin comme ça. Apparemment pas. Bon. Non. Ah bah voilà un truc écrit. Le journal de Stalker 2. Les anciens rapports étaient corrects. On dirait que le réacteur fonctionne toujours. Ce truc a encore du jus. Mais je pense qu'il y a aussi des fuites, sinon je vois pas d'où viennent toutes ces radiations. Enfin, cette énergie ne nous facilite pas vraiment la vie. Ce serait le cas si c'était régulier, mais dans ces conditions, c'est trop aléatoire pour qu'on puisse vraiment compter dessus. Les gars rigolent déjà en disant que les esprits des pauvres gars morts ici jouent avec les commandes. Bien sûr, c'est que des conneries. Cet endroit est juste pourri et bouffé par la rouille et les machines sont foutues. Oh bon, tout ça. Ah ! J'ai jamais fini une partie entière de RimWorld. J'y ai déjà joué, mais j'ai jamais... Je suis jamais allé si loin que ça. Techniquement, je suis allé plus loin dans une partie de Dwarf Fortress que dans une partie de RimWorld. Bah, techniquement, oui, tu peux envoyer tes gars... Tu peux créer une fusée et te barrer. T'as une fin, pour ainsi dire. Relative, mais t'as une fin. Mais je suis jamais allé jusqu'au... Genre, même les invasions, j'en ai déjà... Je crois que j'en ai déjà eu, mais j'ai jamais eu de problème ou... Genre j'étais allé, jamais allé très loin dans l'arbre des technologies. Préparation du redémarrage du système A. Oh, il m'est tombé dessus. Tu vois, là où autant Dwarf Fortress a vraiment pas de fin, RimWorld encore, il en a une. Genre t'as un objectif, pour ainsi dire. Se barrer de cette planète. Tout le personnel doit évacuer le complexe
Là où je sais que dans Dwarf Fortress, par exemple, il y a moyen de creuser trop profond. Je l'atteins une fois la couche la plus basse. Enfin, la couche la plus basse. Là, parce que t'as des couches négatives, donc c'est pas la plus basse, mais... Voilà. Genre, c'est ce que les gens sur les forums appellent le fun. Parce que... En fait, c'est le truc assez étonnant que les gens ne spoilent pas Dwarf Fortress. Et donc, les zones les plus profondes, c'est le fun. Pour être honnête, j'en ai eu qu'un très léger aperçu et j'ai pas compris ce qui s'est passé. En même temps, c'est Dwarf Fortress. Je demande pas de comprendre ce qui se passe. Après, j'ai techniquement réussi à finir une partie de Dwarf Fortress. Parce qu'il y a deux situations dans lesquelles tu peux considérer que tu as fini une partie de Dwarf Fortress. Quand tu t'es donné un objectif et que tu l'as réalisé. Ou quand le jeu n'arrive plus à tourner parce qu'il a trop de trucs à charger. Et j'ai réussi à me retrouver dans une situation où il y avait tellement de chats et de chiens dans ma forteresse que le jeu ne fonctionnait plus. J'ai tout ce qu'il faut. Faut juste nettoyer ça. J'entends quelque chose qui ne me plaît guère. Ah. Oh bon sang, on n'y voit rien.
Magnifique. Il a de sacrés réflexes quand même. Cool. Journal de Stalker 3. Bonne nouvelle, nous avons atteint les archives. Mauvaise nouvelle, on dirait que les géants aveugles s'y sont installés. Heureusement, ils n'étaient pas là, on a réussi à jeter un œil. Les étagères sont défoncées, les cartes sont en vrac. Il va falloir plusieurs jours pour trouver quoi que ce soit et les nouveaux locataires peuvent revenir à tout moment. Et quelque chose me dit qu'ils vont pas aimer nous voir fouiller dans les archives sans permission. Et comme si ça suffisait pas. Le niveau de radiation est hors norme. Nous n'y avons passé que 5 minutes et nous avons pris l'équivalent d'un mois de trucs vers chacun. Pourtant, j'ai encore la nausée. Je vais devoir demander un bonus au colonel, sinon on va briller dans le noir pendant des mois. Bien sûr, on a ramené autant de cartes que possible et on va laisser les gars du QG faire le tri. Au moins, ça leur donnera un peu de boulot. En tout cas, mission accomplie dans les limites du possible. Et si quelqu'un pense pouvoir faire mieux, qu'il essaye. Pour ma part, je ne remettrai pas les pieds dans ce cimetière si je peux l'éviter. Évidemment. En effet, il va falloir à l'occasion, mais... Comme j'ai dit, j'ai déjà prévu quelques trucs, là, pour les streams à venir.
Kirill, je rentre vite. J'ai juste besoin d'un peu de repos. Je suis si fatigué. Tu es là, mon frère. Je vois que t'as trouvé les cartes et fait une pause. J'ai besoin de souffler aussi. Bordel, ça gratte ces bouts de fer. Seulement, je dois faire gaffe à pas rester trop longtemps ici. C'est ton fils qui m'a envoyé. Il m'a dit où je devais chercher. Il est tenace, ton Kirill. Ouais. Il ne ménage pas ses efforts. Les enfants, ils sont tout pour nous. Je suis là à cause de ma fille. Elle est intelligente, forte, gentille et belle. Je ne pourrais même pas te dire à quel point je l'aime et à quel point je suis fier d'elle. J'essaie d'être un père, mais je reste un colonel. C'est comme si montrer mon affection de père me rendait aussi plus vulnérable, pas seulement à ses yeux, mais aussi à ceux de son mari. Au début, je pensais même que c'était un type bien. Mais son obsession de la vérité me rendait complètement fou. Il risquait sa vie sans cesse, alors qu'il avait gagné l'amour de la plus belle femme du monde. Les gens bien veulent des choses simples, une soupe plus épaisse, un foyer confortable, des enfants en bonne santé, mais lui, il ne voulait que la vérité. Laisse-moi jeter un œil à ces cartes. Je lui en ai beaucoup voulu. Mais après, j'ai regardé le monde avec un œil nouveau. Et j'ai fait le point sur ma vie jusqu'à ce jour. Surtout après avoir entendu ton histoire. Je me retrouvais en toi quand j'étais plus jeune, mon ami. On a tous deux servi le grand mensonge, parce qu'on a tous deux voulu se convaincre que c'était nécessaire. Et s'il n'avait pas été là, j'aurais sûrement fini comme toi. Mais désormais, j'ai enfin un véritable objectif dans la vie.
parce que je peux enfin regarder la vérité en face. Je pense que tu peux comprendre. Merci pour les cartes. Sache que ce n'était pas en vain. Tu nous as tous sauvés. Quant à Kirill, je lui donnerai cette montre et je ferai tout mon possible pour qu'il sorte de ce trou. Je t'en donne ma parole. Bien, il est temps. Adieu, colonel Klebnikov. Repose en paix. Artyom, tiens le coup. Reste avec moi, mon fils. Sacrée qualité quand même pour un DLC. Comme j'ai dit, j'ai de moins bons souvenirs du second.
Ok. Bon. On va faire ce qu'on peut sur le deuxième DLC, mais... J'espère que j'aurai pas trop de problèmes. Et alors, le violon est cool. Mais c'est très particulier à jouer, vu que t'as pas de fret ou quoi que ce soit. Et un violon bas de gamme sonnera toujours mal. C'est les violons. Même si tu peux en trouver qui sont entrée de gamme, qui sont pas trop mauvais. Banjo, ça a un son à part. Mais c'est cool. Le banjo est cool comme instrument. Ouais, ouais, c'est pour ça. Le violon est vraiment un son qui... a vraiment un son qui... Ouais. Ouais, mais je peux pas te dire combien ça coûte pour avoir un violon d'entrée de gamme qui vaut le coup. Tu vois. Genre, je sais que mon beau-père en a un bon. Mais il a le même depuis 30-40 ans. Ouais, voilà. Oui, non. C'est possible. Ouais, c'est... Tu vois, je peux pas te donner de conseils là-dessus parce que moi, j'en ai pas fait. Et mon beau-père est autodidacte sur le violon. Et alors, il joue bien. Mais il joue bien de la country. Il joue bien des trucs dansants. Tu vois, il joue bien du folk. C'est des morceaux qui sont pas trop très difficiles à jouer.
Moi, un jour, je m'achèterai une flûte électronique. Un jour. Y'a moyen, hein. Mais voilà. Parce que faut pas que tu te lances dans un instrument. Alors, à part du coup le cas à part du clavier. Du clavier et indirectement de la guitare aussi, qui sont des instruments qui sont extrêmement faciles, entre guillemets, pour apprendre les bases. Si tu ne joues pas d'un instrument qui te plaît, c'est très difficile de rester dessus. Ouais, mais je crois que ça coûte un peu plus cher aussi. Même prix, ok. Que ouais, si tu veux apprendre les bases du solfège à lire une partition, un clavier, un piano, c'est parfait. Et pareil, si tu veux apprendre à lire une tablature, guitare. Ou basse. Je vais être honnête, apprendre à lire une tablature sur la basse, c'est bien, c'est pas compliqué. Les lignes de basse, genre... J'ai littéralement appris à lire une tablature en 5 minutes. Que autant il y a certaines tablatures de guitare qui peuvent être un petit peu bizarres, autant à la base, c'est en mode ok, j'ai compris le concept. Ah, un archer. D'ailleurs, j'ai eu pendant très longtemps dans ma piole le violon de mon beau-père, qui le gardait stocké là. Et genre, je m'en suis jamais servi. J'aurais pu. Mais au même titre que je crois que j'ai encore 2-3 tambours qui traînent. Je dois avoir des guitares dans le lit, là, dans la mezzanine. Même si je suis pas sûr qu'elles soient en très bonne état. Peut-être une basse. Qui, pareil, doit pas être dans la meilleure des états. Mais maintenant qu'on a un studio pour la musique... Plus vraiment de raison de s'embêter à le stocker ici. Alors, déterminé à découvrir si ses proches sont toujours en vie dans son pays natal, Sam a fait ses adieux à l'Aurora et son équipe et suit les voies ferrées vers l'est dans l'espoir de traverser le Pacifique depuis le port de Vladivostok. La dernière étape de son périple va cependant s'avérer plus délicate que prévu. Ça, je ne te le fais pas dire vu que les sauvegardes auto sont buggées dans ce niveau. Derrière moi
n'était qu'un film sans fin projeté sur un vieil écran, rien que pour moi. Tel un spectateur nocturne solitaire dans un cinéma désert. Pourtant, en se levant devant moi chaque matin, le soleil me dévoilait de nouveaux paysages, comme pour me confirmer que j'avançais bel et bien vers le Pacifique. Pas à pas, lentement mais sûrement, en dépit des obstacles sur ma route. Un jour, assis dans un fauteuil sous le porche de mon père, j'envisagerai peut-être d'écrire un livre sur ce voyage. Un jour, mais pas ici, pas maintenant. J'aperçois la ville censée me permettre de traverser l'océan, et je sens l'air salin. S'il me reste encore une infime opportunité de rentrer à la maison, c'est ici que je la trouverai. Oh, ils sont probablement tous morts à irradier. Eux, ils doivent vivre dans Guilty Gear. Привет, Владивосток. Да. Exactement. Je sais parfaitement ce que j'étais en train de dire. Exactement. Est-ce que tu crois qu'elle existe encore ici? Franchement. Allez voir, qu'est-ce que j'ai? Une AK et un Assiote, une fois de plus. Ensuite. Et une map. Ce DLC, comme j'ai dit, sera plus long et plus galère. Et il est possible qu'à tout moment, on se bouffe des morts qui me fassent reset 30 à 1 heure de jeu. Voilà. Bande de crétins!
Cette fois, je vise la tête. Que je fasse d'autre. Je crois que c'est tout, je suis pas gourmand. Mais vous en faites pas, on vous tuera pas, le boss nous veut vivants. Et comment tu sais ce qu'il veut? J'ai mes sources. Quant à vous, arrêtez de me faire perdre mon temps et sortez de là. Joli tir. Merci bien. Salon, foi. Les gars, cet enfoiré est pas tout seul. Je crois que c'était le dernier. C'était du bon boulot. Monte, il faut qu'on parle. D'accord. Ton arme. Hé, hey, détendez-vous. Je viens vous aider. Baisse ton arme, tout de suite. Très bien. Je vous veux aucun mal. Je cherche un navire qui peut me ramener chez moi. Vous en connaissez des biens? Il n'y a qu'un navire ici. Et c'est une petite merveille. Viens, je vais te montrer. Attention par ici. Une chute pourrait faire mal. Mieux vaut éviter de rejoindre ces pauvres gars. Ils me traquent sans relâche, cherchant à s'attirer les faveurs du chat. Au moins, ils veulent me capturer vivant. Utilise ta longue vue, tu le verras parfaitement bien d'ici. Il est juste là-bas. Ok, waouh, un sous-marin. Il est énorme. Parfait pour rentrer à la maison. En parlant de ça, tu viens d'où? Ton accent me dit vaguement quelque chose. San Diego. Vas-y. Bon sang, un autre Américain. Ça alors? Tu parles d'une coïncidence. Un autre Américain? Comment ça? Il faut croire que tu n'es vraiment au courant de rien. Je t'expliquerai plus tard. Hein? On doit filer d'ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Le vampire! Foutons le camp avant qu'il nous attaque! Suis-moi! Oh, merde! Dégage, saleté de chauve-souris géante! Non, ça va y aller. Que là, par contre. Bonjour. Ah. Oh. Genre c'était littéral la chauve-souris géante.
Mais bon. Ça a dû le calmer. Un bon raté. Yep. Amuse-toi bien aussi. À tout à l'heure. Ah, j'ai plus d'armes. Genre littéral. J'ai... Blub blub. Bien là. Lâche-moi.
on fait moins le malin. Va te faire! Oh, merde! Merde! Ouais, c'est un Américain, je confirme. Même vu par les Ukrainiens et les Russes, les Américains, ça reste des Américains. Tu l'as entendu jurer quand on l'a eu? Allez, tout se faire foutre. Enfoiré, je vais vous buter. C'est un Américain, il n'y a pas de doute. Comment tu peux le savoir? Tu baragouines à peine le russe. Ben, j'ai entendu des Américains dans les films avant la guerre. Ben, il a pu en voir aussi. D'ailleurs, il se réveille. Hé, hey, où est-ce que tu viens, toi? De Moscou. Hé, hey, tu serais pas Américain, toi? Non, je suis Bouryat. C'est bon, tu m'as démasqué. Je suis Américain. Et voilà le travail. Sérieusement? Yes. Alors pas étonnant qu'on ait eu autant de mal à te maîtriser. C'est juste pas ma journée. Hein? Tu l'as dit. En fait, tu pourrais vite changer d'avis. Hé, les gars! On a capturé un Américain! On ferait bien d'appeler le chat pour le prévenir! Baz, ici livraison. Passez-moi le chat, j'ai du nouveau pour lui. Il n'est pas sur le pont. Un instant. Très bien, j'attends. Coupez le moteur, les gars! On doit attendre. Tu dis que c'est pas ta journée. Tu vois ce qu'il y a là-bas? Je vois. C'est des nuages. Des nuages? C'est une tempête, l'ami. Ouais, une tempête. Et par ici, les tempêtes n'ont rien à voir avec les autres. Elles peuvent ruiner ta journée comme nulle part ailleurs. T'as de la chance qu'on te soit tombé dessus. Livraison. Le boss est sur le pont. Je vous le passe. Entendu. Redémarrer et aller vers le sous-marin. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire? Vous avez transmis l'offre au capitaine? Non, il a déguerpi pour un rien. Et on a chopé un type qui était avec lui. Et il se trouve que ce type est américain. Non, mais tu déjantes ou quoi? Sérieusement, chef? Il jure comme vous dans vos mauvais jours. Je vois. Passe-moi cet américain. Bon. Caporal Samuel Taylor, des Marines américains. Ouais, j'ai du mal à y croire moi-même. Oui. Changeons de plan. C'est mon invité. Vous avez compris? Faites-le venir, et vite. Bien, chef. Alors, on n'a pas fait forte impression. Et qui est-ce qui vous dit qu'il est américain depuis le début, hein? Wow. Impressionnant, hein? C'est le nôtre. Impressionnant. Regarde, c'est le boss. Un instant! Je t'en prie, monte à bord! Amenez notre invité sur la passerelle! Bien, chef! Merde, on a foutu le chat en rogne. On aurait dû lui retirer ses liens. Et on se serait pris une soufflante pour l'avoir fait. Ouais, c'est impossible de satisfaire le chat. C'est pas notre journée. Voilà votre Altesse. On y est. Monte à bord.
qu'est-ce que je suis heureux de te rencontrer. Je crois que ça fait 23 ans que j'ai pas vu l'Américain. Au fait, moi c'est Tom. Heureux de vous rencontrer aussi, Tom. Il est à vous, ce navire? Je peux acheter un billet? Acheter un billet? Elle est bonne. Suis-moi, nous allons discuter. Bien, tu veux aller où comme ça? San Diego, en aller simple. La Californie. Le paradis sur Terre, vraiment. Sauf les bouchons à LA, c'était l'enfer. Bon, tu veux bien me rappeler, c'est quoi le nom de votre équipe de baseball? Les Padres. C'est ça, notre équipe les affrontait souvent. Je suis de Seattle, tu vois? Les Mariners, s'il vous fallait une preuve supplémentaire. Ça n'a rien de personnel, Caporal. Les temps sont durs. Oui, bien sûr. On n'est jamais trop prudent. Exactement. Stylé comme... Sam, je te présente Klim, mon bras droit. Il est en charge du maintien de l'ordre au sein de ma petite entreprise. Bonjour, Sam. Ochen priyatno, Klim. L'invitation des hommes de Klim ne pouvait pas mieux tomber. Ok, nous protège un peu du vent, mais malgré tout, regarde-moi ça. Ouais, si j'étais resté dehors, je serais à mi-chemin du Kansas. Non pas que je veuille y aller. Où est-ce que tu veux aller? Non, attends. Avant, qu'est-ce que tu dirais d'une petite clope le temps de nous raconter ton histoire? Je suis pas contre une clope. Même s'il n'y a pas grand-chose à raconter, en fait. Le Moyen-Orient, l'Afghanistan, et puis Moscou. Je montais la garde à l'ambassade. Je me trouvais dans le métro quand les choses ont mal tourné. On est plusieurs à y avoir survécu. Ensuite, on est resté dans les tunnels pendant 20 ans. À croire qu'on était les dernières personnes au monde encore en vie. Mais comment? Un réseau de brouilleurs. Les dirigeants étaient au courant, mais ils ont gardé le secret. Pendant 20 ans? Mais pourquoi? J'en ai pas la moindre idée. Un ami a découvert la vérité, ainsi que toutes les squads dont je faisais partie. On a dû prendre la fuite. À travers le continent, à bord d'un train. Arrivé au lac Baïkal, on s'est séparés et j'ai continué vers l'est, jusqu'ici. Si mon père est encore en vie, il attend peut-être encore mon retour. Il a plus de 70 ans maintenant. J'ai plus beaucoup de temps. Je vois. Donc tu cherches quelqu'un qui pourrait te ramener chez toi? Ouais. Les choses ont changé. On ne navigue plus sur le Pacifique de nos jours. Mais je peux te faire traverser avec ce sous-marin. Tu pouvais, mais tu ne peux plus, Tom. Tu as raison, Klim. Je peux faire quelque chose, Tom. Mais au fait, comment vous avez mis la main sur ce sous-marin? C'est une longue histoire. Si je te la fais courte, ça ira. Le temps presse, mais pas à ce point-là. Dans ce cas, je vais commencer depuis le début. Au fait, j'ai réussi à produire une sorte de Tennessee whisky. Évidemment, le vieillissement n'est pas le même, mais le goût s'en rapproche. Tu trinques avec nous, Klim? Je vais me servir moi-même. J'ai un peu de mal avec ta mixture, Tom. C'était ma première tentative, je te rappelle, mais bon, tu fais comme tu veux, bien sûr. À notre rencontre. À notre rencontre. À notre rencontre. Wow. Corazo. Qu'est-ce que je disais? Bon. Prêt à m'écouter? Je faisais du négoce juste avant la guerre. Principalement sur le marché international des armes. La région était riche et offrait de belles perspectives, mais les gens n'avaient ni les contacts, ni le sens des affaires. C'est là que j'entrais en jeu. Klim était en charge des relations avec nos partenaires locaux, juste avant la guerre. Notre affaire commençait à bien tourner. Puis, les bombes ont frappé. Imagine la suite. Ouais. Mais notre entreprise avait un avantage sur la concurrence. Des entrepôts pleins d'armes. Et il y avait les hommes de Klim qui étaient là pour les garder.
On a alors connu une grande phase de croissance et il y a quelques années, on a entendu parler d'une colonie prospère ici à Vladivostok. L'endroit était gouverné par l'ancien capitaine que tu as rencontré plus tôt. Il faisait du bon boulot, c'est vrai, mais il n'avait pas les épaules pour contrer les attaques incessantes des bandits. On lui a donc proposé notre aide. Le capitaine a accepté le marché et n'a pas été déçu. Klim a trouvé une solution bien radicale contre les bandits. Ouais, tu peux encore en voir pendre quelques-uns. Voilà. Puis on a appris que le sous-marin était opérationnel depuis le début et que le capitaine n'avait jamais envisagé de profiter de cette magnifique opportunité. Vous vouliez qu'il en fasse quoi ? À l'évidence, tout comme lui, tu n'es pas un homme d'affaires. Naturellement, tu n'as pas le sens des affaires. Qu'il en fasse profiter tout le monde, évidemment. Après la guerre, l'humanité s'est à peine raccrochée à la vie parce qu'il ne restait plus aucune force capable d'unir les survivants en vue de restaurer la civilisation. Mais nous, on pouvait bâtir une telle force, un nouvel état, la véritable cité radieuse sur la colline, pour mener le monde entier vers de nouveaux accomplissements, pour repartir après l'apocalypse. On n'aura pas à tirer. Il suffira de jeter l'ancre devant n'importe quelle colonie, d'ouvrir les tubes lance-torpilles, et elle nous donnera tout sans broncher. Elle se soumettra à notre pouvoir. Tu trouves ça brutal ? C'est pourtant un état de fait. Nous incarnons le pouvoir désormais. Nous serons la force qui guidera le monde vers un avenir meilleur. Je vois. Et comment a réagi le capitaine ? Ah, il a piqué une crise et tenté de se débarrasser de nous, mais il a compris que la partie était perdue. Il a pris la fuite. C'est donc vous qui décidez du cap à suivre maintenant, c'est ça ? Exactement. Je pense qu'il y a juste un petit problème. Le sous-marin est en bon état, mais ses réacteurs sont à sec. Et seul le capitaine sait où trouver les barres de combustible et quelle procédure il faut suivre. Malheureusement, depuis notre accrochage, il refuse catégoriquement de nous parler. D'accord. Je commence à comprendre pas mal de choses. Bien. J'ai donc un marché à te proposer. Sam, je voudrais que tu sois notre médiateur, que tu fasses entendre raison à ce fossile. S'il nous aide pour le combustible, on lui laisse la colonie. On mettra pas longtemps à en trouver une autre. Bien sûr, il sera libre de récupérer les membres d'équipage qui ne me suivront pas. Et quand on aura le combustible, San Diego sera notre première destination. Ça marche ? Ça roule. Sam, en tant que médiateur, tu auras besoin d'une protection. J'enverrai mes meilleurs hommes. Merci, Klim. Mais je préfère travailler seul. En voilà un qui a du cran. Laisse-le faire, Klim. Sam peut se débrouiller tout seul. Comme tu voudras, boss. Bien. On est d'accord. Mais pour nous représenter dans les négociations, n'oublie pas qu'il va falloir t'équiper comme on l'entend. Klim, s'il te plaît, règle la radio de Sam sur nos fréquences. Tout de suite. Tiens. Maintenant, le plus important, la carte de la région. Vu les circonstances, c'est ce qu'on a de plus précis. En plus, elle comporte toutes les plans connus du capitaine. Tu devrais commencer par là. Voilà. Спасибо, Klim. Ok pour la radio, c'est bon. Pour le reste du matériel, n'oublie pas de passer au stand de tir. On te donnera tout. Mais avant, repose-toi un peu. La journée a été longue. Merci, mais je préfère y aller maintenant. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Bon, comme tu veux. Merci, Tom. Je crois que je vais y aller maintenant. En plus, la tempête est déjà terminée. Bonne chance. Bien sûr. On se recontacte. Shastliva. Shastliva. À plus. Dis-moi, Tom. Pourquoi ? Pourquoi tu as refusé que mes hommes l'accompagnent ? Ils auraient pu choper le crouton discrètement et proprement. Ça suffit. On a vu ce que ça donnait. Des hommes ont merdé sur toute la ligne en les laissant s'échapper. Le capitaine passe encore, on le suit à la trace. Mais où est son second ? Et les autres ? On cherche. Ça fait bien.
Un homme vous cherchez. Tu ne vois pas que le capitaine est notre dernière chance. Je ne peux pas confier cette mission à des hommes, mais tu peux la confier à Sotheka. Il est américain. Et alors? Je le connais pas, et toi non plus, tu le connais pas. Si, je le connais. Il a survécu à Moscou, il a survécu là-bas, et il a survécu jusqu'ici. Très bien. Si tu le dis. Exactement. Et tu m'emmerdes plus avec ça. Ah. Tu as du monde qui surveille le passage vers le marais supérieur? Un poste d'observation, deux gars. Bien. C'est l'heure d'attendre notre invité, et puis prêter main forte si nécessaire. Et pareil pour les autres. Clairement pas. Essayons de voir où il pourrait trouver notre homme. Où est-ce que le capitaine a été aperçu? Partout. Choisis un point. Pourquoi pas ici, juste sous notre nez? La piscine. Pleine de homards. Ça fait longtemps qu'il n'y va plus. D'accord. Ici? Là, il y a trop de monstres. Il n'ira pas. Tu crois? Et ici, tu en penses quoi? Le nouveau gang dont je t'ai parlé. Les chasseurs de monstres. Donc il y a un autre camp ici encore. Il y a des bandits, il y a Tom, il y a le capitaine et il y a les chasseurs de monstres. Plus les monstres. Eh bah parfait. Ah, ça pourrait me servir. Salut, oncle Sam. T'es attendu au stand de tir, ordre du boss. C'est par là, de l'autre côté du pont. Oui. Salut, l'Américain. Ok, je crois que j'ai pigé. Ça doit venir de l'interrupteur. Contrôle au sol pour Major Tom. Non, le circuit est mort. Il y a un truc qui déconne. Bordel, je sais. Oui, je sais. J'avais oublié quelque chose. Voyons si ça marche maintenant. C'est parti. Tu devais sortir aujourd'hui, donc il y a dû sortir, là. Finalement. Ouais, ouais, je l'avais vu annoncer, j'étais en mode nice. Pourquoi? C'est fermé, c'est tout. Ça perd toi. Alors, c'est pourquoi c'est fermé, mec? On fait l'inventaire, là, tu vois. Spécial. Et t'es attendu au stand de pire, là-bas. Je dois juste récupérer mon flingue. Ce sera pas long. Désolé, ça va devoir attendre. Allez, j'en ai pour deux. Tu devrais aller au stand de tir. Si je pouvais, je te laisserais entrer, mais les ordres sont les ordres. Ah, je t'attendais. Je m'appelle Danila. Je suis l'armurier de Tom. Le boss veut que tu t'équipes au plus vite, Sam. Alors j'irai droit au but. D'abord, ton détecteur universel. Il y a des mines un peu partout dans les ruines, alors ne sors jamais sans lui. Il peut aussi détecter les pièces de rechange, les armes... Un paquet de trucs, en fait. Classe. En effet. Maintenant, ton nouveau fusil. Il me semble à la fois familier et différent. Il est fabriqué maison et optimisé pour nos propres munitions incendiaires. Il accepte les balles standards, mais on a modifié le chargeur pour éviter que les imbéciles du coin bousillent leur vieux fusil avec les balles incendiaires. Merci. J'en prendrai grand soin.
Ah, heureux de l'entendre. Je crois qu'on a fait le tour. Tu peux l'essayer si tu veux. Mon assistante a préparé plusieurs charges. Voilà tes munitions. Bonne chance. Celui-là devrait te rappeler des choses. C'est un vrai de vrai. Un 45 automatique qui provient des plus belles pièces de Tom. On en a vendu pas mal dans la région. Mais celui-ci a été préparé aux petits oignons et il n'a pas servi depuis son déverminage. Alors ça m'étonnerait qu'il te trahisse. C'est pas de refus. Essaie de toucher toutes les cibles. J'ai toujours rêvé de voir une vraie marine à l'œuvre. Bien. Impressionnant. C'est comme une balle ce truc. C'est ce que j'appelle un beau tir. Je suis trop fort. Écoute, je suis le mieux placé pour reconnaître un bon tireur ici. Merci pour la démonstration. Merci. Ah, c'était vraiment incroyable. Voilà ta récompense. Pour moi, c'est la routine. Allez, je te retiens pas plus longtemps. Bonne chance, Sam. A plus tard. Ah, on va voir. Munitions incendiaires de fusil d'assaut. J'ai toutes les grenades du monde. Un détecteur universel. Un stallion. Et un Sammy. Très bien. T'es passé prendre tes armes et ton matos ? Ah non mais... Il y a des armes comme ça. Elle ressemble à rien. Genre t'es en mode c'est quoi ce bout de métal ? Et pourtant... Oui, mais leur nouveau chef est réglo, à mon avis. Ça m'étonne. Ah oui, je sais. On peut trahir tout le monde. Mais le... Les bandits des environs prennent tout avant de te massacrer. C'est toute l'ironie. Ils sont généreux, ils te font pas souffrir. C'est que, en vrai, les... tu prends les AK classiques, elles marchent. Mais genre, dans ce jeu... Tes armes, tant que tu les elles sont nettoyées, tout va bien. Puis dès qu'elles commencent à être sales. Ah mais quel enfer. Les hommes du chat viennent vérifier notre marchandise. Ok, c'est dans mes camps. Hé, hey, regarde, c'est l'américain. Où ça? De quoi tu parles? Là, celui qui nous regarde. T'es sûr? Il ressemble à n'importe quel gars pour moi. Je te le dis, c'est l'américain. Et alors, on en a déjà un. Oui, c'est vrai, mais... Oh, lâche l'affaire, tu veux? Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Au lieu de gaspiller ton énergie à t'enflammer, concentre-toi sur la pêche. Une longue journée nous attend. D'accord. Oh, il t'a laissé passer, finalement? Ouais, mais ce tocard a quand même mis ma patience à rude épreuve. Au moins tu es libre comme l'air maintenant. Libre? J'ai l'impression d'avoir vieilli de 10 ans. Ben c'est pas qu'une impression. Va te faire foutre. Tiens, mais c'est notre invité américain. Comment ça va? Il paraît que tu as vu le capitaine. Comment il va? Ne dis rien. Je sais que c'est dur pour lui. Si tu le revois, dis-lui.
Dis-lui qu'on n'a absolument rien oublié de ce qu'il a fait pour nous. Et qu'on est prêt à le suivre n'importe où. Ah, tiens-moi ça. On n'a pas fini de vérifier. Mais oui, c'est clair qu'il en manque. Des suspects en vue ? Ouais, il y a ce crétin de chérubin. Il a décampé dès qu'on est venu le fouiller. Et il s'est enfermé dans sa cabine. Les gars essaient de le déloger. Ah, je le connais. J'ai toujours eu des doutes à son sujet. Je vais voir où ils en sont. Ça marche, on va continuer ici. Alors comme ça ? T'aimes pas voir Tom comme nouveau chef ? Écoute, je sais que tu essaies de me provoquer, mais j'en ai plus rien à foutre. Alors je vais te le dire franchement. J'aime pas Tom et son petit numéro d'homme d'affaires. Mais bon, passe encore. Ce qui me débecte, c'est comment il a pris le pouvoir. Comment il s'est débarrassé du capitaine et de tous les officiers. Et je parle pas de Klim et de ses sbires. Je pense aussi que le capitaine avait raison, qu'on ne doit pas utiliser les missiles, et que c'est bien que le sous-marin soit à court de combustible. Tu peux aller me balancer à Klim maintenant, et dire à ses larbins de me traîner dans sa salle de torture. Voilà, c'est dit. Maintenant, va te faire foutre. C'est pas la peine de crier comme ça. Je compte pas te balancer ou quoi que ce soit. Ouais, ça va. Va dire ça à ceux qu'ils ont déjà enlevés. Putain d'enfoiré. Bien. Rebonjour, l'Américain. Tu m'en veux pas, hein? Je t'en veux pas du tout. Super. Le boss nous a demandé de te trouver un beau bateau, et le voilà. Il a l'air pas mal. Et il se pilote tout seul. Il suffit de prendre le gouvernail et d'utiliser le boîtier latéral comme un levier de vitesse. Et tout ira bien. On a même installé un compas. Ouais. Mais le laisse pas sans surveillance, il en fait qu'à sa tête. Et fais gaffe à l'inertie. À pleine vitesse, il faut un peu de temps pour s'arrêter. Même en inversant la manette des gaz. Et s'il te plaît, ramène-le en un seul morceau. Ouais, alors là, t'en demandes beaucoup. Ouais. Il a une grande valeur sentimentale pour lui. Tu m'étonnes. Voilà, il est à toi. Bonne chance et que les ventes soient favorables. Là, tu m'en demandes vraiment beaucoup, là. Oh la vache, j'arrive toujours pas à croire qu'il y a un autre Américain ici. Ah, désolé, aucun de nous ne s'attendait à voir un autre Américain que Tom. Alors, vous arrivez à le choper, ce gars ? Ça se passe ? Vous vous en sortez ? Tu parles. L'enfoiré a mis une sacrée serrure sur cette porte. Mais ça fait rien. On finira bien par le choper. Mais je vous dis que j'ai rien volé ! Ouais, c'est ça ! Nika, vous n'y êtes d'homme. Je crois que je vais rester, finalement. Prépare le pop-corn ! Ça va être marrant quand on ouvrira cette putain de porte. Bon. À bientôt. Da svidaniya. Oh bon sang, ils m'ont filé un bateau à moteur. Qui dérive tout seul vers la gauche, n'est-ce pas ? Joie. Ah ! J'ai eu chaud. Ah, ça marche bien votre truc !
Je vais exploser tellement de fort. Il y a des serpents marins. Non, je ne sais pas lire le russe. T'inquiète pas, je commence à avoir la dalle, donc moi je vais pas tarder à m'arrêter. Vachement coriace ces brandages. Ok. Je l'ai coincé. Ouais, je l'ai coincé. Évidemment que je l'ai coincé. Comment aurait-il pu en être autrement? Bah... Ah bah tiens, je suis passé. Mais c'est une école. Ah. C'est nouveau ça comme type de mutant. À lunettes. Ah, j'ai plus de balles. Récupérons la save là et arrêtons-nous là pour ce soir. Que bon, j'ai bien coincé le bateau déjà. J'ai fait tout comme il fallait. Et je vais aller. Ouais, bip 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 bip. Si tu veux, si tu veux.
me faire un truc à grailler. Donc sur ce, bonne nuit à tous et à demain. Tiens, on a changé d'environnement. Cool.